بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله ثم أما بعد أخوة كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا قال جل في علا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous rappelle dans ce verset euh, une chose importante, à savoir, « Oh vous, les porteurs de la foi, vous qui avez la foi, l'imam Billah Jalafi'ullah, craignez Allah, et taqollah, sadida. et portez une parole sadida. » Et qu'est-ce que veut dire « sadida » Qui sait Qui peut me dire Tu connais ou pas ?« Sadida » Qui a une idée hein? Non Vérité correct. correct. Vérité, ouais. Mais on va dire plus correct. C'est vrai qu'en plus, « al-qalu euh, ya'ni as-sadid » c'est « ya'ni al-as-sawab ». C'est la parole qui est juste ou qui est sur quelque chose de juste. Puisqu'on va dire, euh, « haq vraiment, « ya'ni hein, al al-haqq haq c'est plutôt la parole de vérité. « Wa kin as-sadid » c'est quelque chose qui est une parole juste. Parce qu'il y a une différence. Et elle est importante. Et grâce à cela, Allah, Jalafi Ula, celui qui va

parce que, qu'est-ce que veut dire le fait de faire preuve de taqwa Ça veut dire deux choses. Hein Qui connaît aussi ces deux choses par rapport à la taqwa Qu'est-ce que veut dire le fait de faire preuve de piété Ces deux choses. Hein, je l'ai dit en arabe. Voilà, on va dire, il a dit, voilà, avec d'autres termes, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de le fait de s'interdire ou de cesser les interdits d'Allah. Dès que la personne applique cela, elle fait preuve de taqwa, elle est en train de faire preuve de, de piété. Donc cela veut dire que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce pas la personne qui va faire quelque chose d'extraordinaire pour craindre Allah. Dès que la personne elle essaie de, de mettre en application les ordres d'Allah et qu'elle essaie de s'interdire ce qui est interdit, de s'en éloigner, elle fait preuve de piété. Et ensuite, Allah lui dit, et de dire, d'avoir une parole qui soit, as Sawab, -sawab c'est quelque chose qui est correct, qui est juste, qui est bien. Et aussi, on te dit quoi Toute parole dans laquelle, eh bien, tu, il va contenir un bien, toute parole que tu vas prononcer qui va continuer un bien, c'est une bonne parole. Toute parole dans laquelle il va y avoir une bonne chose que tu vas prononcer ou qu'on va retenir de toi, c'est une parole, qawl Sadid. Tu parles toute la journée, mais de tout ce que tu dis de la journée, tu ne dis pas que des paroles justes. Il y a beaucoup de choses que tu prononces la qui ne sont pas justes. Ré-le-Sawab, ce pas juste. Voire même des fois, Fenef, c'est que tu crois que c'est juste alors que c'est pas juste. Donc, le fait d'avoir une parole juste, qui soit correcte, qui soit bonne,

de rechercher la science, de lire des choses bonnes, le Coran ou des livres, des choses comme cela, pour, dans l'islam, ou bien d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, tu vois Ou bien encore toute parole, toute parole dans lesquelles tu vas prononcer une bonne parole que les gens vont apprécier, ou une parole qui va tu vois provoquer l'amour entre les gens, ou le bien entre les gens. Et bien tout cela entre dans al-qawl sadid la bonne parole, la parole juste. Et on te dit et cela est en conformité avec ce que le prophète nous a enseigné. À savoir, celui qui croit en Allah et au jour de la résurrection, au jour de l'Adallah, eh bien qu'il prononce que des bonnes paroles ou bien qu'il se taise. Qu'il prononce des bonnes paroles ou bien qu'il se taise. Parce que le contraire de la parole juste, c'est une parole qui en fait soit elle n'est pas correcte, tu dis des, propos, des paroles qui ne sont pas bonnes, soit dans le sujet que tu vas employer, soit dans la situation dans laquelle tu vas employer. Pourquoi la situation il se peut que des fois, tu peux avoir une parole de vérité. D'accord Par exemple, un exemple. Dans, « Fi dans, dans un sujet. « Des fois, tu peux parler sur un sujet, et ce sujet, il te fait prononcer des paroles qui sont de la médisance, ou bien de la calomnie. Ou bien tu vas commencer à insulter quelqu'un, ou tu vas critiquer quelqu'un, comme cela. Mais Ce sont des paroles que tu prononces, forcément qui ne sont pas justes ou qui ne sont pas correctes. Tu vois Dans lequel il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien. Parce qu'en fait, il peut aussi y avoir des situations dans lesquelles tu peux te retrouver dans laquelle ta parole, ce que tu vas dire, c'est une bonne parole. On va dire c'est une parole qui peut être véridique. Kalimatul haqq, c'est une parole de vérité. Ou toi tu penses que ce que tu dis là, c'est quelque chose qui est vrai, par exemple, je vais interdire une chose qui est haram. Ou bien j'ai vu quelque chose qui est blâmable, je vais dire que c'est pas bien, des choses comme cela. Mais tu ne regardes pas les gens que tu as en face de toi ou bien tu n'analyses pas la situation dans laquelle tu es. Et maqal, normalement tu parles par rapport à la situation dans laquelle tu te retrouves. T'as compris ou pas C'est ce pas pareil. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Maintenant, j'ai une parole de vérité où je vois quelque chose qui est blâmable. Mais si je le dis maintenant comme cela, là, devant les gens, d'accord Si je dis cette parole comme ça devant tout le monde, eh bien, ça va créer une fitna, un désordre, une embrouille. Des gens, ils vont se rebeller. Des gens, ils vont me dire non, c'est pas bien. Tu vois Quelqu'un, il va se lever, il va dire ah, tu racontes n'importe quoi. Tu vois Parce qu'il n'est pas d'accord sur le moment avec ma parole. Pourtant, ce que j'ai dit, c'est une vérité. Voilà, qui, dans la situation dans laquelle je l'ai exploité, cette parole, c'est pas bien comme ce que j'en ai parlé. Parce que je n'ai pas fait attention à qui il y avait avec moi. Il y a des gens qui comprennent, d'autres qui comprennent moins. Tu as des grands, t'as as des petits, tu as des gens qui ont une compréhension particulière, peut-être de la religion, je ne sais quoi, tu vois. Et donc, moi, j'ai donné une parole comme ça, générale. Elle n'est pas bonne. Alors que si j'avais fait attention et que je regardais par rapport à qui j'ai en face de moi, eh bien, je vais faire attention aux propos que je vais prononcer. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Il y a des choses auxquelles je vais faire attention. On a un exemple comme cela. Ibn un jour, il est avec ses compagnons, avec certains de ses compagnons, à l'époque des Tatars. Donc, c'était un groupuscule de personnes extrêmement violents, ultra violents. Ils étaient connus pour aller dans des contrées géographiques comme cela. Ils se considéraient, ils se disaient musulmans, mais en même temps, ils commettaient énormément de crimes. D'accord des injustices pas possibles. Et ils avaient en même temps une croyance euh, bancale. Et donc ils avaient un peu comme cela attaqué différents pays. Et ils, avaient, donc, ils arrivaient dans des pays, ils, ils, ils les traumatisaient, ils traumatisaient les gens, ils agressaient les gouverneurs, de ce comme cela. Et donc lui, dans la ville dans laquelle il était à ce moment-là, eh ils étaient présents. Il passe avec ses compagnons à côté d'un petit groupe d'entre eux. Ils étaient assis dans un coin en train de, de boire de l'chamber. Il était en train de boire du vin. Et donc, il continue son chemin et ses compagnons lui disent Yahashikh, est-ce que tu n'ordonnes pas le, le convenable et tu condamnes le blâmable Tu les vois en train de, de s'adonner, en train de faire cela, et tu leur dis rien Tu dis rien, tu, tu continues ton chemin Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit parce qu'en fait, le fait de boire de l'alcool, c'est quoi C'est haram. Mais pourquoi Allah l'a interdit parce que cela, c'est quelque chose qui te détourne du rappel d'Allah. Allah, Allah t'a interdit l'alcool pour son contenu et comment ce qu'il transforme ton esprit. Mais pourquoi à la base Parce que lorsque tu, tu, la personne boit de l'alcool et qu'elle est sous l'état d'ébriété, eh elle oublie Allah. Et c'est pour ça qu'au tout début de l'islam, quand euh, à l'époque cela était encore toléré parce que l'islam venait d'arriver et les cœurs n'étaient pas encore complètement certains, certaines personnes pouvaient arriver dans la prière avec un état d'ébriété. Au point qu'ils ne savaient même plus ce qu'ils disaient. Tu vois Et on sait aussi que ça a causé énormément de dégâts, les paroles, dans les divorces, les choses comme cela. Donc, qu'est-ce que cela fait Cela te détourne, en réalité, la base de quoi De secte acte pourquoi ce, ce produit-là, l'alcool en lui-même, est interdit comme cela Parce que celui-ci va te détourner du rappel d'Allah. Cela va te détourner des, des obligations religieuses. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit et de, donc à la base, c'est interdit pour cela. Et eux, ce qu'ils font, eux, en commettant de l'adulme avec les gens, les agressants, les violents, les volants, et ceci, comme cela, c'est pire que le fait de lorsqu'ils boivent de la colle et que leur esprit est un ainsi comme cela, qu'ils sont assis comme cela, ils bougent plus, ils sont dans cet état d'ébriété et ils restent comme cela, inconscients, si je puis dire, par rapport. Alors que lorsqu'ils ne sont pas dans cet état-là, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils commencent à agresser les gens et à attaquer les gens et à être injustes avec les gens. Donc, entre deux mots, deux choses qui sont mauvaises, laquelle des, des deux est pire Est-ce que c'est de l'empêcher de boire et ensuite il va agresser les gens et commettre un mal plus grave ou est-ce que c'est de les laisser dans cet état et ils se font que du mal contre eux-mêmes mais pas aux gens tu vois, la balance ça ne veut pas dire que tu l'appliques en tout cas mais c'est pour dire que l'analyse tu vois l'analyse, comment elle est importante dans ce cas là et donc les gens des fois ils ne prennent pas ça en compte tu as quelqu'un il va rentrer à la mosquée par exemple il va voir que des gens ont d'une manière et lui il sait que cette manière là n'est pas bonne Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire... mais franchement, les frères, franchement, vous n'avez pas prié. Hein eh, votre prière, Battleye". franchement, votre prière, je ne sais même pas si elle pèse dans la balance. Déjà, les gens, ils ne vont pas l'écouter, ils ne vont même pas accepter la, la nasiha. Deuxièmement, ça va créer le fauba dans la mosquée. Les gens vont commencer à, à. Tout le monde va commencer à crier, à pleurer, je ne sais quoi faire pour, pour commencer à rentrer dans des. Tu vois tout cela à cause de quoi D'une parole que j'ai prononcée, qui est peut-être véridique qui est vrai, mais je n'ai pas pris en compte le contexte et les gens à qui je parle. Tu vois alors que si j'avais fait ça autrement, je vais aller voir les gens un par un, je le conseille, je lui donne des preuves, tu vois, des hadiths, comme ça, qui expliquent bien le sujet. Après, là, c'est autre chose. Tu as des gens, des fois, quand tu es assis avec eux, ils acceptent ce que tu dis. Mais quand ils sont dans un groupe et tu leur parles, ils n'acceptent rien de ce que tu dis. Tu vois, l'effet de masse, ils n'acceptent pas. Mais quand tu lui parles comme ça, tu vois, tranquillement, de manière isolée, là le sujet l'autre donc les ou tu dois parler par rapport aux gens comment -ce que eh bien ils se retrouvent. et c'est comme ça que les ulama te disent que c'est cela la cause de la bonne parole elle va prendre en compte le sujet que tu vas aborder Il faut que tu fasses attention bon québec elle me le lieu dans lequel tu vas parler de quelle manière tu parles tu vois? par exemple on te dit quoi on te dit par exemple donc il y a certaines personnes qui vont prononcer des paroles. à la base, cette parole, elle n'est pas interdite, elle n'est pas mauvaise. Mais elle n'est pas cédile, elle n'est pas correcte, elle n'est pas juste. Parce qu'au moment et comment ce qu'il emploie cette parole, eh bien, il cause, il cause des dégâts. par exemple, je vais donner un autre exemple. La personne, ce que je vous expliquais comme exemple, une personne, elle voit une chose qui est blâmable. Tu vois une chose, elle n'est pas bonne, elle est blâmable. Et toi, au lieu de te, retourne, de te retenir, de condamner la chose, parce que tu vois que si tu vas la condamner comme ça devant tout le monde, tu vas causer un problème. Eh bien toi, tu vas le faire quand même. Tu vas parler quand même. Mais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas causer plus de dégâts. Que eh bien tu vas faire de bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. ils ont la vérité. Ils ont la vérité. Des fois ils parlent masha'allah avec des adillah avec des preuves. al ils ont des preuves. Mais ils n'ont pas l'adab. Le comportement par rapport eh bien à ces preuves. Qui va faire qu'ils vont venir te donner ces preuves? Mais comment est ce qu'ils vont te parler? Et comment ils vont aborder ce sujet devant les gens? Eh bien toi tu ne vas pas l'accepter. Tu vas le refuser. Hein, voire même, tu n'as même plus envie d'entendre parler la personne. À cause du fait de comment ce qu'elle, elle te parle en, en public, ou bien comment est-ce qu'elle t'agresse avec ses preuves. Et c'est comme ça que Ali, qu'est-ce qu'il disait ?« Parlez aux gens à la mesure de ce qu'ils peuvent comprendre. » Est-ce que vous voudriez qu'ils démentent Allah et son prophète Comment est-ce qu'ils vont le démentir Parce que tu vas donner un hadith, où tu vas parler d'un sujet, une fatwa, des choses comme cela, et qu'est-ce qui va se passer Ils ne vont pas comprendre ce que tu vas donner comme preuve. Qu'est-ce qu'ils vont faire oh, Non, mais ça, c'est pas... Pour ça, il y a beaucoup de gens des fois qui disent, non, ce que tu fais, c'est pas bien, là. Chir un tel, il a dit cela. Qu'est-ce qui se passe La personne, elle n'est pas prête à, reçoir, à recevoir la fatwa comme ça. Elle n'est pas prête à recevoir le qol, tu vois, ta parole. Qu'est-ce qu'elle va faire Mais ça, c'est n'importe quoi. Et c'est qui ce chir là qui a parlé Qu'est-ce qu'il est en train de faire là Il est en train de faire une forme de, 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 de médisance. Il est en train de parler sur quelqu'un qui a dit les choses clairement, alhamdulillah. Mais comment ça a été transmis Toi, tu as mis dans le cœur de la personne une forme de tu vois, de réprobation, de rejet de la parole du savant parce que lui, il te l'a donné de manière pas claire ou dans un mauvais contexte ou dans un mauvais lieu ou avec des mauvaises personnes. Donc, tu l'as pas accepté, tu l'as rejeté. Il y a même des gens, des fois, dans un hadith, un hadith, tu vas dire, tu vois, ce que tu fais là. Le Rasul, il a dit, tu ne dois pas le faire ça, c'est haram. Il a dit, ça ne fait jamais j entendu ce hadith. Je ne connais pas ce hadith. Ça, c'est un hadith. Moi, j'y crois pas. À cause de quoi La hawa, la passion. Tu vois Sur le moment, ça l'a vexé. Sur le moment, tu l'as touché, tu vois Tu l'as fait mal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a rejeté ta preuve. Qu'est-ce qui s'est passé là Il a rejeté la parole d'Allah et de son prophète. À cause de quoi Parce que là, comment ce que tu as parlé, toi À quel moment tu as parlé comme cela Eh bien, ce n'était pas bon. Subhanallah. Donc, c'est pour ça, c'est important de faire attention par rapport à bien comprendre ce verset. Et aussi, et parler avec une parole juste. Et la parole juste, eh c'est le fait que tu vas faire attention au sujet que tu vas aborder et le lieu dans lequel tu vas parler. C'est-à-dire avec qui tu parles, qui sont les gens avec qui tu parles. Même ça arrive jusqu'à maintenant, c'est vrai ou pas Tu as des gens aujourd'hui, là, aujourd'hui le pauvre, il va dire quelque chose avec son cœur qui est une vérité. Hélas, tout le monde va lui tomber dessus. Tout le monde. Oui, ceci, cela. Pourquoi Parce que tu as dit ça, mais tu pas dit ça. Toi Tu as dit ça Mais tu pas dit ça. Mais le pauvre, lui, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais, malheureusement, dans le contexte et comment est-ce qu'il va parler devant les gens, eh bien, ça ne va pas être compris de la même manière. Donc, il va y avoir quoi une transformation de ses propos, alors que lui, à la base, toute sa vie, il est connu pour être tranquille, posé, ouvert, tu vois, tout, tout, toutes les qualités qu'on aime. Mais tu as dit quelque chose en un moment précis avec des gens et sur un sujet précis qui n'était pas adapté à tout le monde. Et malheureusement, tu t'attires les foudres. Tu vois. Donc, comme quoi, c'est là que tu comprends encore mieux Al-Qul Sadid, vraiment cette parole juste. Aujourd'hui, c'est encore plus important de l'étudier, de savoir comment je parle, c'est quoi exactement la justesse. Et juste pour terminer, Rabbah, par rapport à quand Allah nous dit justement Yuslih lakum, wa yaghfar lakum, donobakum. C'est-à-dire Fabitakullah, betaqwa, solahu al-a'mal, wa maghfarat abdonob. Grâce à la piété, grâce à la piété, à l'égard d'Allah, eh bien, Déjà, premièrement, tes œuvres, elles vont se réformer et en plus tes péchés vont se pardonner. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, avec la piété et la bonne parole, la parole correcte, juste, en réunissant ces deux choses, Allah, il va t'améliorer tes œuvres et il va te pardonner tes péchés. Subhanallah. T'imagines? Améliorer tes œuvres, c'est quoi C'est-à-dire que si par exemple, tu vois, tu avais du mal à prier, ou tu priais mal, ou que tu avais du mal à faire des bonnes actions, Allah, il va te réformer tes œuvres au fur et à mesure. Tu vas réussir à faire des choses que tu n'arrivais pas avant. Avant, tu n'y arrivais pas. Maintenant, Allah, il a réussi à t'élever grâce à cela. Pourquoi Tu fais preuve de taqwa. Et en plus, tu essaies d'avoir une parole, une bonne parole. Allah, il t'élève. « Wa il wa min et les savants, ils te disent quoi Donc ce verset-là, il te prouve que celui qui ne va pas faire preuve de piété et qui ne va pas avoir une parole juste, correcte, Allah ne va pas lui réformer ses œuvres et Allah ne va pas lui pardonner ses péchés. Pourtant, il y a plein de causes qui peuvent permettre. Imagine, tu fais tes prières, imagine, tu gênes, imagine, tu fais, Machallah, tu fais plein de choses, mais tu ne crains pas Allah. Tu fais des choses en même temps, tu ne crains pas Allah. Et en même temps, tu parles comme ça, ta langue comme ça, tu ne la retiens pas. Imaginons. Eh bien, imagine les conséquences de ces deux choses qui sont négligées, subhanallah. Et c'est pour cela qu'on te dit quoi On te dit, grâce à cela, tu as un encouragement au fait de craindre Allah, de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, et de tirer tous les bénéfices de la piété à l'égard d'Allah, et bien sûr d'avoir une parole qui soit, comme on dit, juste, correcte avec tout le monde, sur ces deux sujets, c'est-à-dire le sujet que tu abordes et le lieu où tu parles, de prendre en compte ces deux choses, et aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, de savoir quels sont les sujets que tu abordes et quels sont les lieux